Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. 21ème épisode de notre aventure sur Far Cry 3. On va retrouver Sam, on va s'amuser à la station essence. Je sais pas ce qu'on va faire, mais il a dit qu'on va s'amuser. Let's go. N'oubliez pas le pouce bleu évidemment. Ah bah t'es là frérot. C'est ta caisse à outils? Ouais, des petits cadeaux. Il y a bien longtemps que je rêve d'allumer les bougies et de tout faire péter comme on dit chez nous aux États-Unis. Sam, t'es américain? Yeah. Mon père était dans les Navy Seals. Je suis né alors qu'il était au Texas. Ensuite, il a été réaffecté en Allemagne. Ah, l'oncle Sam. Je comprends maintenant. Yeah. Un des pères fondateurs, je crois. Je serais toi, je vérifierais. Laisse tomber. Allumons les bougies de ce gâteau. Joyeux anniversaire. Let's go. Pense au dépôt de carburant. Je te couvre avec la mitrailleuse. Oh, ça y est, il se mouille. Let's go. Let's go. Du coup, je vais faire quoi? Détruisez les 4 zones clés. Et comment? Ok. Mais comment je détruis ça? Comme ça. J'ai rien compris à la mission, voilà, je vous le dis. Oh putain, la vache. Couvre-moi, fils de... Pardon. Et comment détruit? Ça m'est mort. Voilà, je ne comprends rien. Voilà, c'est trop facile. C'est trop facile. Je ne comprends rien à la mission. Je vois pas qu'est-ce qu'il faut péter, frère. Et il a une arme. Fait tout péter, non? Détruisez les 4 zones clés. Mais qu'est-ce qui nous branle? Bon. On peut pas commencer par là-bas, par exemple? Attends, on va essayer par là-bas. Voilà. Très bien. Super. Allez, j'ai compris. Allez, voilà. Oh putain. Quel enfer. Allez, let's go. Let's fucking go. On commence ici. Non mais là je comprends que dalle. Oh putain. Mais frère. Bah j'ai plus de roquettes, j'ai rien. Mais il me couvre de rien, il me couvre de rien. Il sert à rien le poteau là. Il sert à rien. J'ai pas de mine, j'ai rien. Mais je joue avec quoi sinon? Ah voilà. Comment? Je peux même pas monter là? Voilà. On va y aller calmement. On va bien y arriver. Non mais je comprends rien. Ah oui d'accord. Oh mon dieu. Non mais franchement. Sans déconner quoi. Allez Sam, on s'arrache. Hop, et de une. Mettre plein la gueule. Hop. Je parle pas trop. Je vois pas comment je peux m'en sortir. Voilà, je... Vie de merde. Non mais frérot, oh là là, c'est atroce. Oh, c'est insupportable. Il meurt jamais! Sam, il sert à rien, il va crever. J'ai pas de mun, je peux rien faire. Putain, va te faire foutre. J'ai réussi. J'ai réussi. Toi, t'es mort. Sam, il va crever dans d'atroces souffrances. Hein. C'est bon, il récupère de la vie en plus. Oh la vache!
Et je peux avoir une arme ou quelque chose là? Mais non, mais je vais crever là. On s'arrache. Allez, monte! Allez, go. Ça, c'est du spectacle, hein. Bon, on va passer par où? On va passer par là. En soi, personne sait que je suis là. Ok. Ça, c'est bien joué de ma part. Mes frères. Bien joué. Hop. Vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. Eh, ça me fait quelque chose, je sais pas, hein. Allez, allez, allez. Allez, recule. Ok. Ce sera déjà ça de fait. Le temps passe trop vite quand on s'amuse. Ouais. J'aurais pas dit ça comme ça non plus. Hop, ça dégage. Attends, je contourne. Très mauvaise idée de la part du joueur. Allez, je rush. Pas le temps pour vos conneries. Hop. Arrête de me sortir le RPG, punaise. Allez, on se casse. Oh, mais quoi? Mais comment ça? Allez, salut. Ok, le RPG s'est passé. Allez, salut. Allez, allez, allez. Je sais pas où je vais. Le temps passe trop vite quand on s'amuse. Oh la vache. Ok, moi je me casse, hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Emmenez Sam près du bâtiment de maintenance. Genre, c'est pas fini. Sam, il aime bien les emmerdes. Sam, il aime bien les emmerdes. Allez, va là. Ça, c'est pour moi. Prends la mitrailleuse, j'imagine, en haut. Non, très bien, la mitrailleuse ici. Logique. Allez, bon, au moins, là, on va s'amuser. Voilà. Voilà. Là, c'est du spectacle. Voilà, bébé. Voilà. Dégagé. Ouais, bah j'aimerais bien te voir. Hop. Ok. À qui le tour? À qui le tour? J'entends un hélico. Ah ouais. C'est un méchant ou un gentil? Je sais jamais les hélicos, j'ose pas les abattre. Voilà. Et là, il te met l'échec de la mission, tu sais. C'est bon? C'est fini? Ça va sauter. Oh putain! Je me fais enlever! Let's go! T'inquiète. Ah! Oh la vache! Y'a tout qui pète! Alors là, j'ai failli nous mettre dans la sauce. Wow! Insane! Wow! Ça, c'est du spectacle, hein. Oh, ça mérite un maximum de pouces bleus, hein. La victoire est à nous! On a réussi! America, fuck ya! On n'a plus qu'à finir en beauté et saigner Hoyt pendant le poker! Là, on va bien rigoler! Ah, rejoins-moi au cantonnement de Hoyt!
America, fuck ya! Deutschland, ache! Incroyable! Putain, c'était la galère, je suis désolé hein, de m'être énervé comme ça, mais à un moment donné, c'était très complexe. Alors attendez, on va marquer une pause dans tout ça. Moi, il me faut que je récupère des munes et tout. J'en ai marre de pas avoir des munes et tout, donc... ah bah ça tombe bien, faut aller là, donc... Normalement, là, on peut récupérer des munitions par là-bas. Non, parce que sérieusement, au bout d'un moment, voilà quoi, je suis très vite à court, c'est fort embêtant. Alors, je sais que je pourrais confectionner en soi, je crois, des choses, mais ouais, c'est un petit peu terrible. Vente rapide, tac, munitions. Et on en avait bien besoin, hein. Voilà. Y'a pas un petit truc à récupérer, là? Non, d'accord. Parler à Sam. Sam, franchement, c'est le frérot, hein. Sam, franchement, c'est le frérot. Il régale de ouf. Voyons voir un petit peu aussi du côté des compétences. Parce qu'on en a 6. Et je pense que par rapport à toute cette difficulté qu'on a, ça peut être pas mal. Le précision de tir de la hanche est accru pour les pistolets, les mitraillettes et les fusils à pompe. On va prendre. Voilà, donc quand je suis accroupi, je suis plus précis. Appuyez sur R pour recharger rapidement n'importe quel pistolet ou fusil de sniper en visant. Voilà. Précision de tir de la hanche pour les fusils d'assaut. Ça me paraît pas mal. Diminuer les dégâts de chute. Ah, attendez. Tirer avec des armes de poing en utilisant les tyroliennes. Je vais prendre ça de sorte à réduire les chutes. Permet d'utiliser une arme lourde plus longtemps avant qu'elle surchauffe. Voilà, ça on veut. Et enfin, la précision du tir de la hanche est accrue pour les fusils d'assaut. Et les snipers aussi. Ah oui. Voilà. Eh ben les gars, d'ailleurs on a tout débloqué encore sauf ici. Élimination au pistolet. Prérequis, victime par arme de poing. Ah, il faut que je tue des gens au pistolet pour avoir ce truc. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, on aura débloqué presque toutes les compétences. Je pense qu'on les aura tous à la fin, de toute façon. Confection, je peux pas me refaire du... Oh, c'est bon, j'ai du 3 en stock. J'ai 3 médicales en stock. Ça, c'est pas mal. Allez, partons d'ici. Quel enfer, mais quel enfer, quoi. Oh, mon Dieu. Mais du plaisir, hein. Franchement du plaisir. Je vous l'ai dit, de toute façon ça se remarque, hein, quand je suis énervé, que j'ai la rage comme ça, mais que je continue, bah forcément déjà j'en ai tellement envie. C'est que du bonheur. Mais c'est vrai que j'imagine pas l'ID de jouer à Far Cry 3. Déjà qu'il pète un câble pour rien. Alors là je peux vous dire, bonsoir quoi. Dis-moi tout frérot. Ça y est mon ami. Tu es prêt à y aller? Ou tu veux plus de temps? Parce qu'une fois lancé, il faudra aller jusqu'au bout. Waouh! Ah ouais, ça rappelle les souvenirs quand même. Ça me rappelle Far Cry 4 aussi. Au-delà de ce point, l'accès à l'île, aux quêtes et aux activités sera limité. Par contre, on pourra continuer lorsque le voyage sera terminé. Donc concrètement, ça veut dire que c'est la fin du jeu, quoi. Donc on va pas tout de suite y aller. On va pas tout de suite y aller, les amis. Parce que bon, déjà, on est à 15 minutes de vidéo. Donc on va pas... Là, ça va annoncer clairement la fin. Donc ce qu'on va faire, on va un petit peu profiter encore de l'île tranquillou bilou. Et donc pour ce faire, messieurs dames, je vous propose par exemple un petit avant-poste. Alors, lequel, je réfléchis, mais pour le plaisir, je verrais bien celui-là, le poste de commande du pont, parce que c'est celui qui a le moins de TP autour. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a tout qui est un peu enfin tout est espacé quoi. Ou alors sinon il y a celui-là quoi, mais on va faire le plus proche quand même, donc le poste de commandement. Ah, ou celui-là. Longshore View. Et voilà, on va faire Longshore View, ça me paraît pas mal. Ok. Allez, on va faire ça, messieurs, dames. On va se faire cet avant-poste. Il doit bien y avoir une voiture qui traîne, non? Et puis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Et puis, le prochain épisode, on va pas non plus tergiverser et faire traîner toute la sauce. Eh, il y a encore mon bateau, les gars. Il y a encore le jet ski. Prochain épisode, on quittera l'île et on va faire la mission qui nous attend. Et ça va être incroyable. On va fumer ce fumier. On va faire une partie de poker. Si j'ai bien compris. Et ça va être incroyable. Et de vous à moi, de moi à vous, maintenant, au bout du 21ème épisode, on peut en parler, mais je crois que j'ai jamais fini Far Cry 3 et c'est que des mensonges. En fait, je crois que j'avais juste regardé des vidéos, mais par-ci par-là. Et j'ai joué le début, ça je le sais, hein, y a pas de souci. Je vais pas vous mentir là-dessus, sur la PS3, je m'en souviens très bien. Mais je l'ai jamais fini. D'où les 15 FPS aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais fini aussi. Puis j'avais très peur aussi quand j'étais jeune. Puis je comprenais rien surtout. Bref, je l'ai jamais fini, je pense que j'avais juste regardé sur YouTube comment ça se terminait. En tout cas, une des fins.
Donc c'est pour ça que j'ai pas tous ces souvenirs. Et c'est que du bonheur du coup, parce que c'est trop cool de pouvoir y jouer de soi-même. Surtout depuis tout ce temps, moi je me souviens de rien. Et puis surtout ça, bah, je ne connais pas. Donc ultra stylé. Ultra stylé, il y a de la fumée là. Ah bah oui, c'est l'avant-poste, oui voilà. Non, je croyais que c'était plus loin. Alors attendez, parce que c'est génial, il y a juste l'alarme à côté. Je suis juste au niveau de l'alarme. Ah oui, mais il y a aussi un mastodonte quoi. Oh toi je t'ai vu. Toi aussi là. Deux mastodontes. Non mais comme si ça suffisait pas les gars. Comme si ça suffisait pas. Alors jusqu'ici j'ai le droit d'être. Bon, en vrai l'alarme je pense que... ça devrait pas être un souci. Voilà. Eh, je fais que passer moi. Je fais que passer. Là, là, là. Est-ce que je peux l'éliminer comme ça? Non. Attendez, bougez pas. On va faire un truc sympa. Salut frérot. Dis rien. Merci. Je transpire du cul. Ok. Attends, on va rentrer ici déjà. Bonjour. Oh, des bombes. Y'a rien à récupérer, c'est nul. C'est ultra décevant. Bon, j'ai envie de m'amuser là, parce que là c'est trop facile là. Donc j'ai envie de faire ça discrètement. Là je pourrais tous les fumer, hein. Entre nous. Je pourrais tous les fumer facilement, rapidement. Et en plus j'ai le droit d'être là, regardez, c'est rigolo. Salut. Et du coup, autant s'amuser. Et quand je dis s'amuser, j'entends par là, par exemple, faire ceci. Et puis cela. Par exemple. Mais par là, je peux aussi entendre. Notamment. Attendez. Je cherche des conneries à faire. Par exemple, faire cela. Voilà. Par exemple, hein. C'est une idée comme une autre. J'entends par là aussi. Par exemple. Par exemple, hein. Attendez. Ça se passe pas comme prévu. Y'a tout qui prend feu. J'entends par exemple. Bon, j'ai pas le choix parce que là. Non mais frère. C'est ridicule, hein. Ce qui vient de se passer, c'est ridicule. Ils sont plus nombreux que prévu là ou. Ils sont plus nombreux que prévu. Donne-moi mon arme! Pardon. Et pourquoi ils sont plus nombreux que prévu? Bon, voilà. Bon, au moins ça s'est fait. Voilà. Bref. Bon, les amis. Épisode plus court que les précédents. Ouais, c'est vrai. Après, on a fait des longs épisodes. Donc voilà, comme ça, ça permet de calmer un peu la cadence. Et puis surtout, bah voilà. Prochain épisode, let's go, on se casse. Et je crois qu'on termine le jeu, hein, ou quelque chose comme ça. Ça se trouve pas du tout, on verra très bien. Regardez la propagation du feu, les gars, ça c'est du jeu 2012. Hein. Bon, voilà, c'est 2012 quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas aussi bien fait. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu, et à demain pour la suite de cette aventure formidable. N'oubliez pas le pouce bleu, ciao tout le monde.